Bonsoir. Déjà, meilleurs vœux. Donc, c'est la première conférence de l'année 2023 et ça fait vraiment plaisir de voir cet auditorium plein. Je crois qu'on dépasse la jauge, donc on est dans l'illégalité. Non, alors, juste un petit mot. On est très content d'avoir Thomas Huot-Marchand aujourd'hui parce qu'on l'avait invité avant le Covid. Alors, il est déjà venu à l'école, on cherchait un peu les dates. Moi, je n'étais pas à l'école à ce moment-là, mais en 2005, il est déjà venu. Donc, on est content de l'accueillir là, parce que voilà, le Covid, apparemment, c'est fini. Donc, on peut reprendre un peu notre cycle de conférences qu'on avait un peu initié il y a longtemps avec Denis, quand je suis arrivé à l'école. On a invité André Baldinger, qui a fait l'ANRT, qui s'appelait ANCT à l'époque. Donc le R de recherche, avant c'était un C pour création. Après on a invité Damien Gauthier, donc qui est le bureau 205 à Lyon, mais qui est typographe, qui édite de la typo, qui a une fonderie, qui s'appelle 205 TF. Donc c'est important parce que les typos de Thomas sont vendus, édités chez 205 TF. Après, on a invité Fanette Mellier, Vincent Perrottet, Paul Cox. Donc tout ça, c'est des noms qui doivent un peu vous parler. Et on a invité aussi Malte Martin, avec qui certains étudiants ont été travaillés dans son atelier. Donc on essaye d'inviter des praticiens, des graphistes, des typographes qui ont une grosse expérience. Qui ont une grosse visibilité nationale et internationale. Voilà, ce sont des gens qui ont déjà une carrière. Alors, on invite aussi des plus jeunes graphistes dans des jurys, par exemple. L'année dernière, on avait justement deux étudiants qui venaient de l'ANRT. Sylvain Julet, qui a fait son master ici, et une autre étudiante qui venait du Havre, qui s'appelle Camille Trimardeau. Ils se sont retrouvés dans le jury média. Donc voilà, notre idée, c'est d'accueillir vraiment des praticiens qui sont des figures des pratiques graphiques et typographiques, des gens qui ont le recul, qui ont vraiment de l'expérience, beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de choses à montrer, et qui aussi, pour la plupart, enseignent, puisque Thomas est directeur de l'ANRT, mais a été longtemps enseignant à l'école d'art de Besançon. Voilà pour cette petite présentation et je laisse la parole à Thomas. Merci. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour entendre parler de typographie. Marche, c'est bon? Ouais, là ça. Ok. Oui, donc Thomas Huot-Marchand, je suis très heureux d'être ici. Je viens de Besançon, j'ai été formé aux Beaux-Arts à Besançon, je fais la même école que vous, et j'y ai enseigné ensuite pendant une dizaine d'années. Entre-temps, j'ai passé une année à Rome, à l'Académie de France, et aujourd'hui, donc, et depuis 10 ans déjà, donc c'est une deuxième moitié de ma carrière, je suis donc à l'Atelier national de recherche typographique qui est situé dans le bâtiment que vous voyez ici, l'ENSA de Nancy, l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, qui est située sur un nouveau campus et un bâtiment relativement récent qui a tout juste 5 ans. Et l'atelier, donc l'ANRT, je dirais souvent l'atelier pour référer me référer à l'ANRT, se situe au dernier étage de ce bâtiment. Et on a des locaux assez cool, vraiment très confortables, un grand open space. On est entre 12 et 15, on a entre 12 et 15 étudiants, puisqu'aujourd'hui, on a chaque année une promotion de 6 étudiants-chercheurs qui rejoignent l'atelier. C'est un post-master, c'est-à-dire que les étudiants y accèdent après un diplôme de 5e année et ils viennent du monde entier. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année pour le concours, pour le recrutement, on avait 10 nationalités et sur les 6 retenues, on a 5 nationalités différentes. À l'heure actuelle, sur les deux promotions confondues, on doit avoir 8 nationalités dans l'atelier. Donc c'est très international.
Les langues d'échange sont le français et l'anglais. Et donc, ce que l'on mène à l'atelier, à la NRT, ce sont des recherches de troisième cycle qui se développent à l'intérieur du cursus de la NRT qui dure 2 ans, qui était à l'origine d'une seule année, mais qui a été augmenté à 3 semestres, puis 4 aujourd'hui. Et on accompagne également des doctorants, donc en co-direction avec des laboratoires universitaires. C'est un espace, donc, comme je vous disais, assez confortable, mais surtout un espace de recherche dans lequel on accueille donc non seulement ces étudiants-chercheurs pour 4 semestres, mais aussi des chercheurs associés qui peuvent venir passer des temps plus courts avec nous. On a également intégré progressivement de plus en plus d'archives. Donc, on a également des gens qui viennent à l'atelier pour consulter soit notre fonds documentaire, soit notre fonds d'archives. Pour situer rapidement l'atelier, donc comme le disait très justement Michel, s'appelait au départ l'Atelier national de création typographique et il a été créé en 1985, donc ça fait un petit moment déjà, et c'était au départ à l'Imprimerie nationale. Et ensuite, ça a déménagé à la fin des années 90 à l'ENSAD Paris, aux Arts Déco de Paris, avant de rejoindre Nancy en 2000. Et c'est l'année d'après son ouverture à Nancy que j'y ai fait mon post-diplôme. Après les Beaux-Arts de Besançon, j'ai également passé une année, à l'époque c'était une année, à la NRT. C'était entre 2001 et 2002. Et mon projet de recherche à l'époque, c'était d'explorer les limites de la lisibilité typographique. Donc voir jusqu'à quelle taille un caractère pouvait être lisible. Mon point de départ, c'était le corps 6, et voir jusqu'où on pouvait aller dans la petitesse. Je suis arrivé au corps 2, donc ce que vous voyez à gauche de l'écran, c'est le minuscule pour le corps 4, pas le corps 6. Le corps 6 est à peine plus contrasté. Et celui de droite, c'est le corps 2. En corps 2, c'est lié aux limites de notre perception optique, la composition de notre rétine, mais ça ajoute également des difficultés de reproduction du texte, d'impression du texte, etc. On ne perçoit pas vraiment les formes telles qu'elles sont. Et il fallait anticiper en fait, toutes ces déformations de notre œil et ces limites de reproduction pour faire des espèces de caricatures de lettres. C'est comme ça que je les qualifie. En corps 2, je suis parti des travaux d'un ophtalmologue du 19e siècle qui s'appelle Émile Javal, qui disait qu'en matière de typographie compacte, on ne lit que la différence entre les lettres. Donc il s'agissait de dessiner un caractère où on met l'emphase sur ce qui permet de distinguer les lettres les unes des autres, et pas tant sur ce qui peut les unifier, les réunir à l'intérieur d'un style donné. Donc ça a donné cette famille. Vous voyez là l'échelle des corps. Chaque dessin est différent de corps 6 à corps 2. Mais je ne vais pas vous parler de ce travail-là qui est assez vieux maintenant. Je l'ai fait il y a 20 ans et je l'ai publié d'abord en tant qu'indépendant en 2007, donc quand j'ai monté ma propre fonderie, une activité pour laquelle j'étais très mauvais. Après, j'ai décidé de publier mes caractères avec Damien Gauthier au sein de la fonderie 205. Je suis très heureux de pu m'occuper de la commercialisation, de la publication de mes caractères. Mais donc voilà, je ne vais pas vous parler de ça vraiment. À vrai dire, c'est vrai que cette invitation date de 3 ans. J'étais impatient de venir, je suis très content. Au moment où on m'a demandé des images d'illustration de la conférence, j'ai envoyé des images sans vraiment en réfléchir. Et je me suis rendu compte que j'avais envoyé des images assez mystérieuses. Donc je me suis dit, je vais peut-être commencer par ce projet-là, parce que ça devait être assez énigmatique, l'illustration de cette conférence telle qu'elle a été communiquée. Et il se trouve que c'est un projet de recherche, pour le coup, qui est celui qui s'inscrit probablement dans la période la plus ancienne. C'est pas forcément le projet le plus ancien, mais bon, je vais y revenir. Juste pour m'expliquer, mais peut-être m'excuser, pendant cette conférence, je vais parler à la fois de recherche personnelle, donc de projets auto-initiés, de projets que j'ai pu encadrer à la NRT, donc des projets collectifs avec les étudiants, ou des projets de commande. Je vais assez peu parler des projets des étudiants eux-mêmes, puisque déjà, il y a beaucoup, beaucoup de projets de recherche qui sont menés à la NRT.
Et voilà, le mieux, c'est de se référer à tous les contenus qu'on a mis en ligne pour la présentation de leur projet. Mais voilà, donc il y aura un peu de tout. Voilà, je vais essayer d'être assez synthétique. Alors, donc calligraphie numérique, j'appelais ça, l'écriture de Luxeuil. Alors d'abord, où est Luxeuil ? Luxeuil, en fait, c'est à peu près entre Besançon et Nancy, c'est-à-dire entre le lieu où je vis et le lieu où je travaille, ou en tout cas où je vais une fois par semaine. Luxeuil, c'est une petite ville de Haute-Saône, pas très connue, hein, mais qui toutefois, au 7e siècle, était assez importante, puisque Saint Colomban y avait fondé un monastère. Et Saint Colomban, il venait d'assez loin, il venait d'Irlande, de Bangor même, près de Belfast, et ensuite il a continué son chemin, il a parcouru toute l'Europe, il a fini en Toscane, à Bobbio. Et bref, quand il s'est arrêté à Luxeuil, il a installé un monastère assez important. Pourquoi on se rappelle du monastère de Luxeuil ? C'est qu'il a donné lieu à un type d'écriture qui est propre à ce lieu. C'est-à-dire, c'est même la seule écriture qu'on désigne par sa ville d'origine. On l'appelle l'écriture de Luxeuil. Et c'est une écriture extrêmement rare. Quand je vous dis rare, c'est qu'on dénombre qu'une quarantaine d'ouvrages, de codex, donc de livres, manuscrits, dans lesquels cette écriture apparaît. Et au total, peut-être 1500 pages. En tout et pour tout, sur la surface de la Terre. On parle bien sûr de manuscrits, puisque là, on est au début du 7e siècle, dans le premier tiers du 7e siècle. Je ne peux pas vous donner une date exacte. 1500 pages donc écrites en écriture de Luxeuil, une écriture mérovingienne très mystérieuse. On va regarder ça de plus près. Et sur ces 1500 pages, il y en a 500 qui sont dans le seul ouvrage entièrement écrit dans cette écriture-là. C'est le lectionnaire de Luxeuil qui est conservé à la BNF et qui date donc du début du 7e siècle. Alors, si on regarde un peu plus près, vous voyez que le texte est composé en latin et il est assez difficilement lisible puisque les lettres sont toutes collées les unes aux autres. On parle là de ligature et on va voir un peu comment ça fonctionne. Moi, j'avais une curiosité pour cette écriture-là et c'est un de mes enseignants aux Beaux-Arts de Besançon, Claude-Laurent François, qui est l'enseignant par lequel j'ai découvert la typographie, la calligraphie, enfin qui m'a tout enseigné quand j'étais étudiant. On est restés très bons amis. Et c'est lui qui m'avait parlé de cette écriture. Il mettait toujours sur des bons plans comme ça. Et un jour, je lui ai dit, on n'a qu'à le faire ensemble. On n'a qu'à se lancer dans un truc. On était en 2015. Et donc, on s'est mis à creuser un peu ce sujet. Alors, pour commencer, je me suis dit, tiens, l'écriture de Luxeuil, voilà, un modèle manuscrit. Peut-être il y a déjà des gens qui se sont posé la question d'en faire une typographie. Oui, c'est le cas. Il y en avait trois. J'ai trouvé trois fontes qui copiaient l'écriture de Luxeuil. Des fontes épouvantables. Vraiment. C'est ce que ça donne. Alors là, c'est ce que ça donne quand on prend un scan d'un manuscrit et qu'on fait, vous savez, autotrace. C'est une vectorisation automatique où c'est très clairement le logiciel qui interprète à la volée les formes et de manière très très maladroite, puisque vous voyez qu'ici c'est vraiment pas du tout rendre hommage à la dextérité des copistes mérovingiens. Et il y en a une autre qui là semble beaucoup plus réussie, mais qui pour moi me semblait pas du tout respectueuse du modèle historique, puisque j'avais quand même creusé un petit peu, consulté les manuscrits numérisés qui pouvaient exister en ligne. Tout simplement parce que la fonderie qui a publié ce caractère, qui s'appelle Flatit, la fonderie, a tout simplement numérisé non pas cette écriture à partir d'une source historique, mais à partir d'un manuel de calligraphie médiévale publié dans les années 80. Donc c'était pas l'adaptation d'un modèle d'écriture, un modèle calligraphique, mais l'adaptation de l'interprétation contemporaine d'un calligraphe de ce modèle historique. Ça donne un caractère pas mal tracé, pas mal dessiné, mais qui n'est pas du tout fidèle à ce que c'est que le caractère. Donc là, ce n'était pas très difficile de trouver la source et de se dire, bon, on peut faire mieux. Un petit mot, parce que ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde. De quoi on parle quand on parle d'un caractère typographique et d'une fonte numérique ? Alors d'abord, j'emploierai le mot fonte ou fonte numérique.
n'y a plus rien de fondu. Hein. On parlait avant, on fondait du métal pour produire des caractères typographiques, mais on utilise encore le mot fonte pour désigner les fichiers numériques, des polices de caractères. Donc, une fonte numérique, c'est un dessin vectoriel qui est composé de points. Vous voyez ces points, ils sont dessinés en courbe de Bézier, c'est des splines mathématiques, du nom d'un ingénieur français, Pierre Bézier, qui travaillait pour Renault. Et donc ces points, ils sont situés aux extrémités, aux points de tangente des courbes, et ils peuvent être dotés de leviers, vous connaissez ça, si vous avez manipulé des logiciels de PAO, des leviers de courbe qui vont permettre d'ajuster la tension de la courbe. Ces points ont des coordonnées, x, y, et c'est comme ça que sont stockés les contours des caractères typographiques. Ensuite, une fois que chaque lettre est dessinée, on doit aussi dessiner l'espace dans lequel elles sont contenues, puisqu'on dessine le noir des lettres, mais on dessine aussi le blanc qu'il y a entre les lettres. Donc il y a toute une partie du travail du type designer, du typographe, enfin du créateur, dessinateur de caractères, va être de gérer l'espacement entre les lettres. Puisque vous pouvez réussir très bien vos dessins, mais rater l'espacement, et là, la typo ressemblera à rien. Donc, c'est les valeurs que vous voyez dans les petites cases en haut. Là, c'est dans une vue d'un logiciel qui n'est plus trop à jour maintenant, qui s'appelait FontLab. Et donc, on a des cases. Et dans chaque case, il y a des dessins. Et toutes ces cases, elles ont des tailles particulières. Voilà à peu près comment ça marche. Et là, très clairement, sur cette fonte-là, vous aviez les cases avec l'entête jaune qui sont les lettres de base. Et en dessous, il y avait toute une tripotée de ligatures, donc de lettres combinées entre elles. Comment on fait pour combiner les lettres entre elles? C'est un tout petit code, de rien du tout, même moi je sais le faire. Ça va être ce que vous voyez surligné en bleu ici. Substituer E puis S puis T par le glyphe E underscore S underscore T, c'est un seul glyphe, qui est une ligature, donc c'est créer un remplacement contextuel quand ces trois lettres se succèdent, remplacer ces trois lettres par une seule. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, revenons au manuscrit, je cherchais à copier cette écriture ancienne. Pourquoi ? Ça, je ne me le demandais pas, mais je me suis en fait posé ça comme défi. Donc, il fallait d'abord comprendre cette écriture, donc la pratiquer. Donc, c'est de la calligraphie. Donc là, j'ai pris une plume et puis j'ai appris comment on écrivait, comment le geste du copiste en fait, de l'époque. Donc, ce n'est pas très compliqué. Hein. Enfin, l'outil est très basique. Puis ensuite, bah, c'est de la pratique. Alors, je ne suis pas un grand calligraphe. Mais c'était une étape nécessaire pour comprendre le geste de la main derrière, qui n'est pas si naturel pour certaines lettres. Il fallait comprendre dans quel sens ça allait, est-ce que c'était des traits montants, descendants, dans quelle succession de traits ça se passait. Et ensuite, voilà, vous voyez en haut le manuscrit original et en bas sa transcription typographique. Ce que je vais parler de transcription, c'est-à-dire passer d'un statut à un autre, d'un original manuscrit à une forme typographique, c'est-à-dire avec des lettres pré-composées, préfabriquées, qui vont être répétées à l'identique. Donc l'idée, c'est de vraiment retrouver la texture de ce texte original. Voilà un zoom sur le début du paragraphe, et voilà la traduction en bleu en dessous. Donc vous voyez que le A, la deuxième lettre en haut à gauche, c'est comme deux C à coller, ça c'est assez fréquent. Et donc N A N, ça va encore. Et là, ça commence à être compliqué. Donc on a le T E S, donc ça fait une espèce de papillon. Et puis après, voilà. Et donc il fallait comme ça rentrer dedans, mais en lisant et en dessinant en même temps. Au bout d'un moment, on comprend la logique et après on le lit assez facilement. Donc voilà. Il faut aussi noter que forcément, quand on écrit, on n'est jamais tout à fait rectiligne. Les lettres, elles font jamais exactement la même hauteur et tout ça. Donc, quand on le transcrit en typographie, forcément, ce sera un peu régulé. Mais là, il fallait que je tienne compte de, par exemple, différents calibres. Il y a différentes hauteurs de montantes, de descendantes. Donc, ça, c'était identifié. Voilà. Et surtout, si on en vient au dessin, donc là je zoome vraiment sur la lettre,
Ça, c'est les contours extérieurs. J'aurais pu les numériser comme je vous ai montré la lettre précédente, le G qu'on voyait là avec les contours. J'ai choisi de faire autrement. Plutôt que dessiner les contours de la lettre, j'ai digitalisé le chemin que faisait la plume. Puisqu'en fait, quand je faisais de la calligraphie, je voyais bien que ma main faisait un mouvement particulier. J'ai plutôt digitalisé, entre guillemets, le squelette, c'est-à-dire le mouvement de la main, et ensuite j'ai appliqué sur ce squelette le profil de l'outil. En l'occurrence, un outil plat orienté à 45 degrés. Et c'est cet outil elliptique projeté sur ce squelette qui produit le contour en question. Donc c'est une espèce de simulation de la calligraphie. Vous voyez le principe ? Et l'avantage, c'est que ça allait aussi vachement plus vite. Et surtout, c'était hyper cohérent, parce que c'est comme si je traçais à la plume directement. Donc j'ai commencé à dessiner comme ça, et à faire fonctionner avec ce système de ligature les substitutions de lettres. Donc là, vous voyez que le G qui se termine comme ça, il est magnifique ce G, il plonge pour faire le grand R, comme ça, un peu pointu. Et quand il y a un E, ben voilà, il fait encore un petit contour. Enfin là, il faudrait que je vous montre exactement le chemin, mais bref, vous me faites confiance. G-R-E, G-R-E-S, ça commence à faire beaucoup. En fait, on va plutôt rompre à un moment les ligatures, parce qu'il faut quand même vous imaginer que, vu que ça, c'est tracé à la plume avec de l'encre, à un moment, on est à court d'encre et on ne peut pas faire une ligature de 12 lettres. Donc, en regardant les manuscrits, on voit que c'est souvent, on a des ligatures jusqu'à 4 lettres, mais voilà, il y a une analyse de fréquence plus fine qui serait à faire pour voir. Mais là, vous voyez, A, G, R, E, S, T, ça pourrait même être E, S, T, I, mais plus fréquemment, on va trouver ça, E, S, puis T, I, U, S. Là, il n'y a pas de ligature U, S. Agrestius, bon, ça ne veut rien dire, en fait, si. C'était le nom du secrétaire de Saint-Colomban, qui était anciennement le secrétaire de Thierry II de Bourgogne. Ben, bref, c'est un gars qui savait écrire, qui était sans doute rompu à l'écriture, au modèle d'écriture qu'on appelle les cursives romaines, parce que c'était le genre d'écriture qu'on trouvait dans les chancelleries à l'époque. Et c'est probablement sous l'influence d'Agrestius que ce modèle d'écriture de Luxeuil s'est développé. Souvent, on l'attribue à Saint-Colomban, mais ce n'était pas l'écriture personnelle de Saint-Colomban, mais plutôt celle de son secrétaire, qui s'est installé comme un modèle au sein du scriptorium du monastère de Luxeuil. Voilà. Donc c'était pour vous faire une entrée en matière en fait sur l'analyse d'un modèle historique, se dire comment on peut s'y prendre pour le digitaliser, pour en faire une fonte numérique, et surtout quel processus on peut mettre en œuvre pour recréer une forme calligraphique avec un outil qui n'a rien de calligraphique. Donc voilà le fameux squelette en question. L'abécédaire, c'est quand même bon de se rappeler que certaines lettres n'existaient pas, tout simplement, parce qu'en latin, vous avez ni J, ni V, ni W, ni Y, dans un texte latin, enfin, en tout cas, et dans les manuscrits d'origine. Il y a des lettres dans cet alphabet en écriture de Luxeuil qui nous sont tout à fait familières, c'est celles que vous voyez là, et d'autres qui ont effectivement des silhouettes un petit peu plus bizarres. Mais c'est surtout dans leur capacité à se connecter entre elles que cette écriture révèle toute sa richesse et son potentiel. En particulier avec les ligatures pour la lettre E, qui est la plus fréquente en latin et en français d'ailleurs, qui se combine avec quasiment toutes les autres lettres. Voilà, le F, le G, le R, le S. Alors ce S, là ce que vous voyez en bas, c'est un S long, ça ressemble à un F sans barre. Ça c'est des formes de lettres qui sont utilisées pendant très longtemps. Ce T très joli qui forme des espèces de papillons parfois dans la page. Et voilà, alors dernier détail technique, parce que là on rentre vraiment dans l'architecture du fichier de la fonte,
Comment faire des ligatures? C'est beau, c'est joli, machin, ça fait des trucs. Mais comment on les crée? Alors, je vous ai montré le processus. Il y a une petite ligne de code à faire pour le remplacement contextuel. Mais ça oblige, si j'ai ces deux lettres-là, à créer une troisième case dans la fonte qui ne servira que pour le cas où on a un E et un S successifs. Donc, je vais devoir créer une nouvelle case pour toutes les combinaisons possibles. Plutôt que faire ça, ce qui était un peu fastidieux, je me suis dit, mais en fait, on pourrait peut-être penser la chose autrement. Et je me suis inspiré de la manière dont les fontes arabes sont développées. Ceux parmi vous qui connaissent l'écriture arabe sont conscients qu'il s'agit d'une écriture, déjà, la typographie arabe est très proche de la calligraphie, beaucoup plus proche que la typographie latine, et qu'en arabe, chaque lettre a au moins quatre formes, enfin a quatre formes. La forme initiale, médiane, finale ou isolée. C'est-à-dire qu'une lettre, selon qu'elle se situe en début, en milieu, en fin de mot ou seule, n'aura pas la même forme, parce que son dessin évolue en fonction du contexte. C'est finalement ce qui se passe dans cette écriture mérovingienne. Donc, je me suis dit, bah, tiens, faisons la même chose avec ça, mais sur une fonte latine. Donc, ça veut dire que on a le E, le S de base, qui sont, on va dire, les formes isolées, mais je peux tout à fait faire une forme de E initial et S final, ou terminal, et les combiner. Quand on les pose les unes à côté des autres, quand on les tape les unes à côté des autres, elles créent automatiquement une ligature. L'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir utiliser le même E initial, mais avec une autre lettre qui va suivre. Là, c'est avec un S, là, c'est avec un R, là, c'est un F qui se combine avec un R. Et vous voyez bien que ça se connecte toujours au même endroit. Donc, il y a une forme de normalisation du comportement de la fonte, mais une optimisation aussi de son dessin. Et surtout, ça permet d'éviter de créer des cases en pagaille pour reproduire ce mécanisme. Donc, si on complique encore un peu l'affaire, on peut avoir des ligatures triglyphes ici, avec un F initial, un R médian et un I terminal. Et on voit très bien qu'il s'agit de trois dessins différents, mais qui, lorsqu'ils sont superposés, créent l'illusion d'une ligature d'un signe unique. Voilà comment ça se passe. Et donc, bon, j'avais développé ça en 2015. À l'époque, j'étais obligé de passer par Illustrator, qui me permettait d'appliquer des formes elliptiques à des contours par des formes de pinceau. Depuis, ces comportements donc de tracés, de formes calligraphiques elliptiques ont été émulés sur des logiciels de dessin de caractère, en premier sur FontLab et aujourd'hui sur Glyphs, un autre éditeur de fonte que celui que j'utilise. Donc aujourd'hui, voilà, je pourrais développer une fonte d'écriture de Luxeuil complètement fonctionnelle, puisque tout est préparé, et la publier. Sauf que, j'aurais peut-être pu commencer par là, personne n'a besoin d'une fonte en écriture de Luxeuil. J'ai essayé de convaincre la ville de Luxeuil de la nécessité de au moins publier des choses ou même voire faire une signalétique dans leur écriture de Luxeuil. Je trouvais ça fun de se dire, bah, tiens, comment on pourrait moderniser l'écriture de Luxeuil? Ils ont ouvert un musée sur le site du monastère. Je disais, bah, il faut quand même faire un truc. Bon. Ils ne me l'ont pas commandé. Ça s'est arrêté là. Mais ça a donné des discussions super intéressantes avec des archéologues, avec des paléographes, avec des médiévistes sur ce modèle d'écriture. Et surtout, ben, j'avais la conviction que c'est en fait le genre de fonte qui est utile à des chercheurs. Des chercheurs qui ont besoin de faire des éditions scientifiques et de publier des textes. Voilà, dans des revues scientifiques. Donc, évidemment, il n'y a aucun marché pour ça. Je ne vais pas gagner d'argent avec ça. Mais comme sujet de recherche, c'était excitant, c'était même passionnant. Mais voilà, ce n'est pas avec ça qu'on va gagner sa vie. Mais ça peut tout à fait avoir une utilité dans le champ de la recherche. Voilà. Et ce qui m'amène à un autre projet, alors que je n'ai pas dessiné, là pour le coup je vais vous montrer un projet réalisé par un de mes étudiants, Alexandre Bassi,
qui a réalisé en 2020-2021, pendant l'année scolaire, un projet pour, en partenariat avec le Centre national du graphisme de Chaumont, le CIGNE. Et c'est en fait Timothée Gouraud, un graphiste du collectif Fabrication Maison, qui est venu vers. C'est un bon copain, il est venu voir la NRT en disant: j'ai trouvé un truc là, et j'aimerais bien vous en parler. En fait, lui, il a déménagé à Chaumont, et quand il est graphiste, et à Chaumont, il a trouvé un peu partout dans la ville une espèce de vestige de panneaux de lettres peintes. Vous savez que avant qu'on utilise des lettres adhésives ou d'autres techniques de reproduction, la plupart des publicités ou des supports informatifs étaient peints sur les panneaux, etc., dans la ville. Et donc, il y avait manifestement un peintre en lettres à Chaumont qui a réalisé des panneaux partout dans la ville, et il en restait quand même un certain nombre dans l'espace urbain, un peu vieilli, mais. Et lui, il était surpris par la qualité plastique de ses lettres. Donc, il s'est mis à les répertorier à la piscine municipale, par exemple, où les slips de bain sont obligatoires. Vous êtes prévenus. Vous avez aussi les tarifs des leçons d'association qui ont dû changer. Alors maintenant, voilà, vous voyez qu'il y a des lettres adhésives à côté. Mais on a cette écriture vraiment bizarre. Ce n'est pas l'écriture de Luxeuil, mais c'est quand même une écriture singulière. Il a retrouvé la trace de l'auteur, c'est une peintre en lettres qui s'appelle Chantal Jacquet, elle est à la retraite, et on l'a rencontrée, et on la voit ici tracer les lettres en question. Voilà. Alors je crois que j'ai fait un truc, voilà, effets spéciaux. Là, ça passe à l'envers, donc elle efface. Elle va recommencer. Je me suis dit, je vais la mettre en boucle. Qu'est-ce qui se passe quand elle dessine? En fait, on a découvert ça. Il y a une règle en calligraphie, enfin, puis même en sign painting, en peinture en lettres, c'est qu'en général, on trace de haut en bas et de gauche à droite, naturellement. Et elle va de bas en haut. Et elle appelle ça des lettres à l'arraché. Et en fait, Chantal, elle est autodidacte. Elle a eu quelques cours. Pendant 6 mois, elle a été formée à la peinture en lettres, et ensuite elle s'est mise à son compte et elle a développé elle-même une forme d'écriture à elle. Et puis on lui avait montré à l'arraché, ça se. Et puis elle a développé son modèle à elle, de manière un peu empirique, comme ça. Et c'est ce qui faisait la singularité de ces lettrages et qui nous les rendait vachement intéressants pour nous. Donc, pareil, un peu comme pour l'écriture de Luxeuil. Alexandre Bassi, donc un excellent typographe, étudiant à la NRT. C'était un projet en. Comment, mince. Un projet parallèle pour lui, hein, qu'il a fait, parce que lui, il travaillait sur l'écriture maya pendant son cursus à la NRT. Mais donc, il a développé cette fonte. Et là, je peux vous montrer rapidement comment le processus, qui est relativement similaire au précédent, mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc, il y a d'abord identifié les fréquences de lettres et leur modalité d'apparition et de combinaison. Est-ce qu'elles se transforment? Est-ce qu'on retrouve un pattern comme ça récurrent? Le F qui est très très singulier chez elle. Et ensuite, donc une fois qu'il a mené cet inventaire, alors il n'avait comme inventaire que ce qui était disponible à Chaumont. Donc on avait vraiment toutes les photos, et on avait décidé, même si on savait déjà que la personne avait été retrouvée, on aurait pu demander à Chantal de nous tracer un alphabet, mais ça aurait été trop facile. Donc là, on a vraiment décidé de développer la fonte uniquement à partir de ce qui était encore visible à Chaumont. Et là, donc rien que dans le panneau de la piscine, on voit différentes formes de S. Donc il s'agit de essayer de saisir c'est quoi la forme archétypale du S dans ce modèle-là. Ensuite, il identifiait aussi forme initiale, forme médiane, forme finale. Donc ça, je vous en ai déjà parlé précédemment. Et ensuite, il est passé par une phase de dessin qui lui permettait, par des systèmes de calque, d'anticiper différents modules de combinaisons comme ça pour simuler de manière un peu plus mécanique le comportement de cette fonte. Donc là, vous voyez l'original,
Et la digitalisation, toujours en courbe de Bézier, hein, c'est toujours la même chose. La fonte et la combinaison des deux. Il s'en sort vraiment bien. Hein. Franchement, c'est un magnifique travail de dessin qu'il a mené en plus très rapidement. Là, vous pouvez voir les particularités de ce modèle d'écriture, puisque c'est pas vraiment un caractère typographique à l'origine. Il y a ces lignes un peu descendantes, comme ça, ce rythme un peu en escalier. Et par contre, la ligne de base est toujours bien droite, parce que, encore une fois, Chantal, elle a sa ligne et elle part du bas. Donc le bas, il est toujours bien aligné. Le haut, par contre, il y a des lettres qui dépassent, qui descendent, enfin, qui font cette espèce de pente. Il y a aussi une silhouette qui est liée à l'utilisation du pinceau plat, donc plutôt une forme elliptique, encore une fois, avec ses terminaisons caractéristiques de l'emploi du pinceau. Là, c'est du pinceau, c'est pas la plume, hein, c'est pas tout à fait pareil. Et ensuite, une fois qu'il a identifié les différentes formes, donc les quatre dont on a parlé, début, milieu, fin, isolé, il faut faire tous les accents. Alors parfois, il y a des accents un peu plus compliqués que d'autres. Et puis, toutes les ligatures, parce que là, le N, eh ben, il ne se connecte pas tout à fait de la même façon si avant c'est un E ou un O ou un F, parce que vous voyez là. Donc ça commence à faire pas mal de combinaisons, pas mal de dessins. Pas mal de lignes de code aussi, mais à la fin, ça donne une fonte qui marche toute seule. C'est-à-dire qu'elle arrive vraiment à simuler de manière très fidèle la particularité de ces lettrages de Chantal Jacquet. Donc, c'était un projet, comme je vous le disais, en collaboration avec Le Signe. Ça a donné lieu à une double publication. D'abord, la publication d'un journal qui est le spécimen de la fonte, auquel étaient associés quelques textes de présentation et puis d'explication, qu'on a imprimé en rotative comme un vrai journal, parce qu'il y a à Chaumont encore une imprimerie en rotative qui a le doux nom de Rotochampagne. Pour la biennale, la dernière biennale 2021 de Chaumont, il y avait donc la présentation de ce projet, des affiches peintes par Chantal Jacquet dans la rue, des affiches qui étaient moitié imprimées, moitié peintes, donc chaque affiche était différente, avec des messages différents, et donc le journal qui était diffusé gratuitement, ceux ou celles parmi vous qui ont assisté à cette biennale, sont peut-être partis avec. Il y en a plus beaucoup hein, maintenant, je crois. Mais voilà, c'était un petit projet mené à la NRT sur quelques mois qui a donné lieu à, je vous disais, une double publication parce qu'il y a eu non seulement ce journal, mais aussi la fonte, puisque toutes les fontes qui sont développées à la NRT dans le cadre de programmes ou de projets de recherche ou de partenariats comme ça sont diffusées sur le site de l'atelier sous licence libre. C'est-à-dire que les fontes sont gratuites. Mais elles sont non seulement gratuites, mais vous pouvez même les modifier si vous voulez. Si vous voulez les utiliser, la licence est complètement en open source. Voilà, sur le site de la NRT, site qui va bientôt d'ailleurs être mis à jour avec encore beaucoup plus de contenu vidéo, articles, etc., mais qui est déjà assez fourni. Voilà. Alors, ça, c'était une introduction sur, on va dire, un chapitre vraiment autour de ce que c'est que dessiner des caractères à partir d'un geste manuscrit. On a vu deux modèles différents, un très ancien, mérovingien, et une apparition plus contemporaine. Ah oui, juste un mot pour conclure, j'ai oublié de le faire, sur Chaumont Script. On l'a appelé Chaumont Script, c'est assez cool comme nom, parce qu'on voulait que Chaumont soit célèbre avec cette fonte. Parce que dès que vous commencez à publier une fonte gratuitement, on la voit partout. Et là, cette fonte-là, on l'a publiée il y a un an, on commence vraiment à la voir partout. Et c'est assez drôle parce qu'elle commence à prendre enfin, avoir beaucoup de succès, à tel point que les peintres en lettres utilisent désormais la fonte Chaumont Script comme modèle pour réaliser des lettres peintes. Donc, quelque chose qui était complètement autodidacte et encore une fois complètement empirique devient un modèle. Donc on a une espèce de retournement. Et puis Chantal Jacquet, maintenant
une superstar de la peinture en lettres et de la typographie. Donc, tu étais très content, en tout cas, de faire cette collaboration avec Timothée, donc de Fabrication Maison, qui est un graphiste formidable et qui a eu la vision et l'idée de faire ça. Donc, vraiment, c'était un travail collaboratif, collectif. Et voilà, qui va peut-être encore d'ailleurs se développer à l'avenir. Voilà, donc comme deuxième chapitre, je voulais vous parler de deux projets de création de caractères, mais qui cette fois s'appuient sur des origines typographiques, historiques. Comment on crée des caractères typographiques à partir d'autres caractères typographiques? Un exemple pour ce type de projet, c'est ce que j'ai été amené à faire pour le musée d'Orsay. C'était en 2011. On avait fait équipe avec Philippe Milot pour un marché, un concours qui avait été lancé pour l'actualisation typographique du musée d'Orsay. Vous connaissez le monogramme du musée d'Orsay. Il a été dessiné par Bruno Mongussi, qui avait fait équipe avec Jean Widmer et Gérard Plénacoste pour l'identité originale du musée en 1985-6. Il y a ce fameux monogramme qui, en 2011, assez curieusement, n'était plus utilisé depuis plusieurs années, sous la direction de présidence même de Serge Lemoine. Il n'utilisait plus ni le caractère ni le monogramme, mais la charte originale reposait sur deux éléments uniques, le monogramme, MO, Musée d'Orsay, et un seul caractère typographique, le Walbaum. Alors, le Walbaum, c'est quoi? Walbaum, c'est un modèle, on l'appelle Walbaum parce que le mec qui l'a gravé, il s'appelait Justus Eric Walbaum. J'aime bien ce mec-là parce qu'il était pâtissier. Voilà, il était pâtissier. Il devait graver, enfin, il devait faire des décors sur les gâteaux. Et puis à un moment, il avait été employé, il était apprenti, hein, il était tout jeune. Il devait graver des moules pour faire je ne sais pas quel biscuit. Et puis il s'est avéré être doué avec une gouge, encore plus que comme pâtissier. Et finalement, il est devenu plutôt graveur. Et puis ensuite, il a monté une fonderie typographique. Et il s'est illustré par ce caractère qu'on appelle aujourd'hui Walbaum, mais il ne l'appelait pas comme ça à l'époque, et il en a fait d'autres surtout, qui est un espèce de Dido. Alors, ceux qui connaissent un peu la typo connaîtront cette référence. Dido, c'est ce que vous voyez dans la ligne du haut. Dido, c'est le néoclassicisme français. Très contrasté, très élégant. Regardez le A. Ça fait une espèce de goutte comme ça, c'est très, très chic. Ça, c'est la France. En dessous, on a la version italienne, c'est Bodoni. Tout le monde connaît le nom de Bodoni. Bodoni et Dido, c'était vraiment le game entre les deux. Ils sont contemporains, ils s'aimaient pas beaucoup et ils étaient dans le même registre, mais on voit vraiment deux saveurs différentes. Encore une fois, ce n'est pas sur le L minuscule que vous allez faire la différence. Enfin, je vous défie de faire la différence entre les deux sur des lettres comme ça. Mais sur des lettres très expressives comme le A, on voit tout de suite que ce n'est pas les mêmes formes. Là encore, ce que je vous montre, c'est des fontes numériques, donc des adaptations contemporaines. Parce que si on voulait vraiment couper les cheveux en quatre, on devrait dire de quel Bodoni on parle, de quel Didon on parle, parce qu'ils en ont fait plein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Walbaum, c'est le Bodoni allemand. Donc le Walbaum, il est plus carré, un peu plus straight comme ça, mais vachement moderne. Et c'était un excellent choix pour l'identité du musée d'Orsay, puisque le Walbaum apparaît au début du 19e siècle, et vous savez que c'est le cœur de la collection de ce musée. On avait décidé avec Philippe de développer la typographie dans deux directions. Sur le registre des capitales, pour tout ce qui était information à voir, et sur les minuscules, pour tout ce qui était information à lire. Donc deux registres de taille. Et sur tout ce qui est l'information à lire, on a posé comme idée de se dire, bah tiens, si Walbaum avait vécu pendant tout le siècle, qu'est-ce qu'il aurait fait dans la deuxième moitié du 19e siècle? C'est dans cette période qu'apparaissent les premiers caractères sans empattement. En typographie, c'est dans cette période qu'apparaissent les empattements rectangulaires, les caractères de machine à écrire.
Donc on se disait, bah tiens, si Valbaum avait vécu 50 ans de plus, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ou qu'est-ce qu'auraient fait ses cousins ou ses enfants et essayer de trouver une espèce d'ADN commun à Valbaum pour des formes, des familles typographiques plus, ultérieures. Ça a donné ce caractère-là, qui était un sans-sérif gras adapté sur les proportions du Valbaum. Vous voyez qu'il y a un air de famille. Et voilà, je vais aller assez vite. Il reprenait d'ailleurs les caractéristiques et les bizarreries du Valbaum, notamment, vous voyez que la lettre, le K avec cette connexion plate, le 2 avec cette boucle-là, les proportions générales également, cette boucle du A minuscule qui est un peu trop grosse, la queue du Q qui est excentrée. Bref, il y a plein de petites particularités qui font qu'il y a un air de famille avec le Valbaum. Et l'autre caractère, l'autre, on va dire, partenaire, c'est un slab, donc un caractère à empattement rectangulaire, plutôt d'inspiration machine à écrire. Un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le caractère American Typewriter, c'est une espèce de caractère qui simule la machine à écrire, mais sans être à chasse unique, c'est-à-dire que les lettres ne font pas toutes la même largeur. Et bien là, c'est un peu ça, mais version allemande, de plus straight. Et ça donne ce caractère-là pour avoir une espèce de version informelle du Valbaum. Parce que le problème qu'avait Orsay à l'époque, c'était que la palette typographique était trop étroite. Le Valbaum était trop classique, trop littéraire pour leur communication et ne fonctionnait pas pour tout un nombre d'usages, c'est-à-dire les cartels, certains documents, voilà, quotidiens, on va dire. Il y avait un côté trop, comment dire, trop maniéré au Valbaum. Et il avait des problèmes de lisibilité également. Donc c'est pour ça que ces deux caractères ont été développés comme compagnons du Valbaum, mais qui partagent avec lui non seulement une espèce de logique historique, mais aussi, bien sûr, une logique structurelle. Voilà la famille avec les trois qu'on avait appelée Orsay contraste, noir ou blanc, puisqu'il venait contraster avec le Valbaum en étant plus sombre ou plus clair. Et au moment de faire l'italique, je disais à Philippe, wow, ça va être relou l'italique, déjà on n'a plus beaucoup de temps et puis je ne vois pas trop. Puis il m'a dit, mais non, on met l'italique du Valbaum. Et en fait, ça marchait tout seul. Parce que les caractères avaient les mêmes proportions, les mêmes alignements, le même vocabulaire, enfin le même ADN. On s'est mis à les mélanger entre eux et ça fonctionnait. Donc on a développé comme ça la papeterie. Il y avait l'idée de leur fabriquer un papier filigrané personnalisé. Donc fabriqué carrément, vraiment avec un... Bon, il y avait toute une étude là-dessus, refaire la signalétique, les cartels, en gardant le graphisme original, mais en remplaçant les fontes. Enfin bref, tout ça, c'était un projet assez vaste. Et je vous disais, il y avait un autre axe sur les capitales, donc pour tout ce qui relevait plutôt des lettres à voir, des textes à voir. Là, on était parti sur une autre référence qui était moins du côté de la typographie livresque que du côté de la typographie d'affiche. Vous connaissez peut-être les affiches typographiques qui se développent, qui se multiplient au XIXe siècle. On a une espèce de délire ornemental au XIXe siècle dans les fonderies où on a des caractères ornés, éclairés, ombrés, etc., etc. Donc on est allé chercher de ce côté-là et j'ai proposé à Philippe, puisque j'aime bien ces histoires de squelettes, j'y reviens souvent, dire tiens, on part du squelette du Valbaum, on garde que le délié, c'est-à-dire la partie la plus fine de la lettre, et on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Valbaum, c'est quoi sa colonne vertébrale. Ça donne ce caractère-là, uniquement en capital, et ensuite, cette ligne, elle va se développer. Donc il y avait un début de contraste, des lettres ornées, noircies, là on a les empattements qui arrivent, on peut l'éclairer, etc., etc. Donc tout ça, ça donnait une palette de 9 caractères autour du Valbaum qui nous permettait de, toujours en étant dans le même ADN, d'illustrer différentes époques ou différentes figures ou différentes atmosphères associées à la
collection du musée. Voilà. Donc, et à la fin, il y avait la proposition d'un système graphique extrêmement simple, de dire on compose toutes les informations dans le même corps, avec la mention musée d'Orsay au milieu, et on agence le texte autour. En fait, cette palette typographique assez étendue offrait différentes densités de textes et permettait finalement de créer une hiérarchie dans les textes, même si on avait toujours le même corps de texte. Donc ça partait, par exemple, là c'était une simulation pour une expo Jérôme, à l'époque, en 2010-2011, donc recadrage de l'image et le texte, et dans un des coins, le monogramme MO qui venait finir le texte. Il n'y a pas plus simple comme combinaison. Alors évidemment, tout ça, ça prend du temps à installer ça, mais l'idée, c'était d'avoir un dispositif qui soit facile à décliner sur une multiplicité de formats. Parce que là, vous voyez une 4x3, par exemple, et là, on avait un abribus ou une 40-60. Donc ça, c'était par exemple l'affiche idéale avec la présentation du potentiel de la fonte, enfin des fontes. C'était un sacré boulot, hein. Un budget assez important. On a rendu le truc, ils n'ont jamais utilisé les fontes. Pas une seule fois. Et pour l'expo Jérôme, on avait proposé cette affiche-là, et ils ont fait ça. C'est une catastrophe. Et en univers, j'aime bien l'univers, mais ça fait un peu mal. Et bref, c'était vraiment un fail monumental. Ça m'a quand même pas mal vacciné sur l'idée de travailler avec de grosses institutions comme le musée d'Orsay, que je salue. Mais bon, non, franchement, ça n'a pas été une expérience fantastique. Il a quand même été utilisé une fois par des amis Us et Bossard qui ont eu à réaliser ce catalogue pour une belle exposition sur l'art et la prostitution qui s'appelait Splendeur et misère, qui serait un résumé peut-être de ce marché. Mais je me suis pas... Je suis resté avec... ça m'a quand même laissé un petit goût amer, cette expérience avec Orsay, mais j'en avais pas fini avec ce projet. J'ai continué à développer, à dessiner cette fonte de temps à autre, à l'étendre, à refaire des trucs. Et donc, comme je vous disais, elle s'appelait Orsay. Et quand Olivier et Ariane, donc Us et Bossard, sont mis à l'utiliser, déjà, j'avais récupéré les droits sur cette création parce qu'il y avait eu une cession de droits, mais qu'ils ne l'avaient jamais utilisée. Et puis bon... Après, c'était passé 5 ans, je pouvais les récupérer. Je l'ai appelé pendant un temps Walbaum Plain, donc du nom de Walbaum, et puis Plain pour vide, débarrassé du reste, quoi. Et c'était nul comme nom, hein, franchement. Et juste avant de le publier, j'ai prévenu Damien à 205. J'ai dit non, on ne va pas l'appeler Walbaum ou je ne sais pas quoi. J'ai enlevé deux lettres à Walbaum et je l'ai appelé Album. Et j'aimais bien parce que l'idée déjà d'enlever, puisque c'est vraiment ce que j'ai fait au dessin du Walbaum, c'est enlever des trucs, enlever du contraste, enlever des empattements. Et album, ça vient du blanc, alba, c'est un livre vide. Et donc voilà, j'aimais bien ce mot, album. Et puis surtout, voilà, c'était une soustraction du Walbaum. Donc ça a donné cette famille que j'ai publiée récemment, il y a un an et demi, chez 205. Et là, par contre, j'ai vraiment étendu la famille. Parce qu'entre-temps, j'avais fait des progrès, j'espère. Et puis j'avais envie de me coltiner une famille vraiment fonctionnelle, parce que j'ai plutôt l'habitude de développer des caractères expérimentaux. Et là, voilà, c'était un dessin assez exigeant, mais c'était passionnant à développer. Donc il y a cette version 100 en 8 graisses, en romain et en italique, sachant que l'italique, c'est un autre dessin, hein, c'est pas juste penché, on dirait comme ça, mais c'est plus, un peu plus chiant que ça. Toujours pareil, il y a cet ADN commun avec le Walbaum, comme vous le voyez là. Plein de petites subtilités qui ne sautent pas aux yeux. Je ne vous en voudrais pas si ça ne saute pas aux yeux.
En fait, les fûts sont légèrement évasés en haut, en bas. Tout ça, c'est pour essayer de se rapprocher un peu de la densité d'un texte imprimé en plomb. Donc, il y a une espèce de lourdeur dans ce caractère qui est assumé. Là, c'est beaucoup plus manifeste. Vous voyez que la verticale, c'est pas tout à fait verticale, c'est légèrement évasé sur les horizontales aussi. Et donc, toujours pareil, une échelle de graisse. Alors ça, c'était aussi riche d'enseignement. Quand on dessine une famille de caractères, on dessine en général les extrêmes. C'est-à-dire, on dessine un maigre et un gras, et les intervalles, on peut les faire calculer par l'ordinateur. On appelle ça l'interpolation. Mais ça ne marche pas forcément parfaitement. C'est-à-dire que la moyenne, elle n'est pas forcément linéaire. Donc là, j'ai appris beaucoup sur l'interpolation en dessinant cette famille, parce qu'en fait, là, sur le Valbaum, pour 8 graisses, il y a quand même 4 masters. C'est-à-dire, on n'est pas sur une progression linéaire, mais on est obligé d'adapter les étapes, en quelque sorte. Donc là, vous voyez la progression des graisses, du romain, enfin du sang et du slab. Et sachant que le slab a pas d'italique, et là j'ai fait un peu comme on avait fait avec Philippe, j'utilise l'italique du sang comme italique du slab, donc celui en pattement. Mais voilà, tout le monde ne le fait pas, donc je crois que je vais quand même devoir faire un slab pour la fonderie, parce que c'est quand même plus facile d'utilisation. Mais bon, bref, voilà, ça c'était la conclusion de ce projet un peu décevant. Avec une grosse institution parisienne, mais finalement que j'ai pu me réapproprier par la suite. C'est arrivé souvent que je dessine des caractères pour un client et qu'ensuite ça donne lieu à un travail, enfin un redéveloppement et une publication à la fin. Voilà. Et ça, c'est le site de 205 TF. Et un autre projet, alors cette fois plus expérimental, pour un autre musée, c'était à peu près à la même période. Je travaillais pour les musées de Montbéliard avec Aurélie Foltz, qui est aujourd'hui la directrice du musée d'art moderne contemporain de Saint-Étienne. On s'est rencontrés à ce moment-là à Montbéliard et j'ai découvert les collections de ce musée, ces musées d'ailleurs, qui ne sont pas très loin de chez moi à Besançon. Et qui avait la particularité, donc des collections très vastes, mais avec aussi des galeries d'histoire naturelle qui traitaient de l'évolution des espèces, puisque Montbéliard s'avère être la ville natale de Cuvier, qui était un célèbre paléontologue, qui a beaucoup écrit sur, qu'elle perd par exemple de l'anatomie comparée, etc. Donc, c'est un sujet auquel je me suis intéressé à l'occasion de ce projet. À la même période, j'enseignais à Besançon et une de mes étudiantes, s'appelait Julie Chou, travaillait sur la question du métissage. Et elle avait lancé un projet, elle s'était mise à photographier tous ses camarades sur un fond blanc. Donc, toutes ses camarades, voilà, là vous voyez une brochette. De jeunes femmes étudiantes, et elle avait superposé tous leurs visages. Et ça donnait un espèce de visage moyen qui était la moyenne de tous les visages de toutes les filles de l'école. Et c'était hyper beau. Parce que, en fait, là, c'est juste tous les visages avaient à faible opacité, superposés les uns sur les autres. Et c'était assez beau de se dire que finalement, la moyenne. Le métissage absolu, la moyenne de tout le monde, crée de la beauté. Ça, c'était tous les garçons, par exemple. Et donc, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant comme projet. Est-ce que ça marcherait avec des caractères? Bon, on peut essayer. Donc, à cette époque-là, donc, comme je disais, je commence à m'intéresser à Cuvier, à son parcours scientifique, l'anatomie comparée et tout ça. Les célébrations qui ont eu lieu, ça c'était pour le centenaire de la mort de Cuvier à Montbéliard, un faux mammouth sur roue qui défilait dans la rue. J'adore cette image. Et surtout, en fait, je découvre que Cuvier, à l'époque, s'oppose,
On s'oppose aux théories de Lamarck. Donc il y a un débat scientifique qui fait rage entre les tenants du fixisme et les tenants de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, c'est ce qui a donné lieu aux théories de Darwin. Par exemple, Lamarck qui va dire, ben, enfin, je suis nul, hein, je veux faire des résumés grossiers, mais en gros, les girafes, elles ont un grand cou parce qu'il faut qu'elles aillent chercher des feuilles en hauteur. Donc, naturellement, ça allonge leur cou de génération en génération. Les taupes, elles voient que dalle parce qu'elles vivent enfin, sous terre et qu'il n'y a pas franchement de lumière, etc., etc. Cuvier, ça allait pas du tout avec ses idées, parce que lui, il avait la volonté dans l'anatomie comparée de rationaliser l'organisation des espèces selon des critères qui ne pouvaient être que fixes. Pour lui, l'évolutionnisme battait en brèche en fait toutes ces théories. Ce qui fait qu'en fait, il s'est opposé à Lamarck et aux théories fixistes avec toute sa force, parce qu'à l'époque, il était doyen de l'Académie des sciences, il avait la main sur toutes les publications, etc. Donc il a vraiment bloqué. Il y a vraiment, c'est le théâtre, là en France, d'un débat scientifique très houleux. Et bref, donc je me suis dit, bah tiens, les galeries d'histoire naturelle du musée traitant de ce débat théorique, vraiment, sur l'évolution des espèces, transposons ce débat dans les espèces typographiques. Après tout, on a un certain nombre de spécimens, et voyons si l'on peut créer une fonte qui soit fixiste et une fonte qui soit évolutionniste. Alors, comment faire? D'abord, pour faire une fonte évolutionniste, j'ai sélectionné 8 caractères à empattement. Alors, si vous n'êtes pas vraiment porté sur la typographie, vous allez me dire c'est tout pareil. C'est pas du tout pareil, hein. Mais bon, c'est des caractères de texte à empattement qui vont du milieu du 15e siècle avec Janson à la fin du 20e siècle avec le Georgia. Donc vous avez de haut en bas, donc Janson 1470, Garamond vers 1530, Caslon autour de 1730, Baskerville autour de 1750-60, Bodoni, dont on a déjà parlé, fin 18e, 1790 environ, Century, c'est fin 19e, 1890, et les deux derniers, Times New Roman et Georgia, donc Times New Roman de 1930, 1932 exactement, et Georgia par Matthew Carter pour Microsoft en 1993. Voilà. Donc, 8 caractères qui représentent 5 siècles de typographie de texte. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire des croisements entre ces espèces-là? Je vous ai parlé un peu plus tôt avec l'album de la capacité qu'on avait avec le numérique de faire des interpolations, de calculer des moyennes entre deux trucs. Maintenant, vous savez tout du dessin vectoriel, que des lettres, elles sont dessinées avec des points qui ont des coordonnées. Et là, vous avez en noir et en gris un maigre et un gras. Chaque graisse est composée du même nombre de points et chaque point a des coordonnées. C'est un calcul mathématique simple que de faire la translation entre les deux et de dire, bah, place-toi à 50%, à la moitié du chemin entre les deux. C'est pas sorcier, hein. Donc on appelle ça l'interpolation. Ça, ce serait assez facile à faire. Dans la mesure où tous les dessins sont compatibles, qu'il y a le même nombre de points et le même ordre de points, c'est-à-dire même point de départ, même sens de rotation, etc. Si les tracés sont compatibles, on peut faire ça. S'ils ne le sont pas, a priori non. Sauf que, à l'époque, et ça c'était sur FontLab Studio, c'est un logiciel qui n'existe même plus. Il tourne plus, hein, sur les nouveaux systèmes. Il y avait un outil que peu de gens, enfin, qui n'était pas trop utilisé, une espèce de baguette magique. On pouvait mélanger toutes les fontes qu'on voulait, même si elles n'étaient pas compatibles. Ça s'appelait Blend Fonts, et on rentrait une fonte d'entrée, enfin une fonte de chaque côté, et il nous calculait l'intervalle au pourcentage qu'on voulait. Un truc magique. Je ne sais pas comment ils ont fait. Honnêtement, c'est un espèce de miracle.
Il faudrait que j'interroge le développeur, mais ça marchait. Et là, je me suis dit, bah, c'est cool. Vraiment, ça se faisait le truc en 5 secondes. Donc, j'ai essayé. J'ai pris les fonds, j'ai les ai sélectionnés les 8, et j'ai essayé de voir. Ah oui, j'avais même une vidéo. Donc, vous voyez, ouais. Coordonnées, interpolation, machin. Je me suis dit, bah, tiens, faisons l'évolution des espèces. Donc, en gris, vous avez les sources. En noir, les enfants. En brun, les petits-enfants. Et à la fin, l'arrière-petit-enfant, qui serait la moyenne globale sur ces 4 générations. Donc, on peut voir de plus près le fils ou la fille, hein, entre Janson et Garamond. Donc, vous voyez que voilà, Janson, qui se caractérise par cette barre du E oblique, barre du E qui devient horizontale chez Garamond, bah, dans la moyenne entre les deux, c'est pile entre les deux, à moitié oblique, etc., etc. Donc là, on avance dans les générations. Vous vous rappelez du code couleur. Ici, on a le petit enfant des deux enfants. Et même chose dans l'autre série de 4, donc entre Bodoni et Century, entre Garamond et Georgia, entre Times et Georgia, et entre les enfants. Et à la fin, on a ce caractère rouge. Ce qui m'intéressait, c'était que ce caractère était produit quasiment automatiquement. Ça m'a pris une après-midi, hein, de le faire. Après, les tracés étaient quand même pas mal abîmés. Il a fallu faire un petit peu de nettoyage juste pour enlever les points superflus. Et puis, il y avait vous voyez là en bas du B, il y a un truc qui se passe mal. Il ne sait pas quoi faire. Il y a un truc ou il n'y a pas de truc, on ne sait pas trop. Mais j'aimais bien déjà le côté presque magique du processus et l'irrégularité que ça créait. Donc ça, c'était une fonte évolutionniste. Bon, en tout cas, ce que pourrait être une fonte évolutionniste. Et après, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner une fonte fixiste. Et là, je voulais dessiner un caractère sans empattement. Donc j'ai sélectionné 4 sources, 4 types de caractères sans empattement, gras, qui sont, selon les historiens, en tout cas dans l'histoire de la typographie moderne, qui correspondent à 4 catégories de caractères sans empattement. Et donc, qui ont chacun leur propre structure, leur propre logique interne, etc. Et d'aller piocher alternativement un bout d'un côté, un bout de l'autre, faire un espèce de mélange. Mais pas un mélange au sens morphing, un assemblage dépareillé de structures a priori incompatibles. Et là, par contre, c'était un dessin, ça a pris un petit peu plus de temps, mais l'idée, c'était de faire cohabiter des structures qui n'ont pas logiquement à cohabiter. Et ça m'a donné une famille très réduite d'un caractère romain sans empattement, gras, et un italique et un romain à empattement. Donc voilà. Qui a des altérations, des problèmes, comme ce que vous voyez là, par exemple, sur le K de la marque. Ça, typiquement, les K italiques, ils ont une boucle ou pas. Et là, bah, vu que je fais une moyenne, bah, il ne sait pas trop quoi faire de cette boucle, donc il met une boucle, mais elle est un peu, atrophiée. Et ça, ça m'intéresse parce qu'en fait, j'ai lu un petit peu les textes de Darwin et il parle de ça. Il parle de ces organes qui se développent dans certaines espèces et d'autres qui s'atrophient. Et un jour, j'avais montré ce boulot en conférence, un mec me dit, oh, on dirait l'aile d'un pingouin. Et c'est exactement ça. Et il y a un texte, un paragraphe dans Darwin, dans l'évolution des espèces, où il parle justement de l'aile du pingouin qui ne vole pas et qui s'est retrouvé être un petit machin qui ne sert plus à rien. Donc voilà, j'aimais bien la manière d'aborder le dessin de caractère, alors par des moyens informatiques, hein, et complètement artificiels, mais comme un espèce d'organisme, et presque aborder aussi l'histoire comme une forme de généalogie, et aussi presque interpeller la manière qu'on a de classer les espèces typographiques, parce que nos
classification typographique, elles ne veulent rien dire. Hein. C'est vraiment, c'est complètement artificiel. Donc voilà, alors je vais faire juste quelques petits focus sur toutes les erreurs, enfin pas les erreurs, puisque c'est volontaire, mais toutes les aberrations de dessin qu'il peut y avoir. Enfin, vous voyez, là, c'est assez manifeste, le Q, par exemple. Bon, l'esperluette, elle est assez étrange en italique, mais sinon, ça va. Mais voilà, ça, typiquement, ce que vous voyez entouré en rouge, ce serait normalement des choses qu'un type designer devrait coordonner, puisque c'est des éléments structurels qui sont communs à ces signes. Et là, ils ne le sont pas. Des empattements, voilà, normalement, quand il y a une logique d'empattement, une forme de dessin, bah, soit c'est droit, soit c'est pas droit, mais c'est pas une fois l'un, une fois l'autre, etc. etc. Et il y a vraiment ces hésitations, comme les ailes de pingouin, en l'occurrence, on ne sait pas trop si ça doit déborder ou pas. Mais en les laissant telles quelles, le texte, avec la fonte quasiment brute, fonctionnait quand même. Et ça, c'est assez surprenant de se dire que cette moyenne, elle est équilibrée naturellement. Donc ça, vous voyez là du texte en romain italique. Voilà. Je l'ai appelé MM, cette fonte, parce que c'était musée de Montbéliard. Mais il y avait une technologie en numérique, en typographie numérique, qui s'appelait le Multiple Master. C'était les premières technologies d'interpolation sur des fontes numériques. C'était Adobe qui avait sorti ce format-là, Multiple Masters. Et là, typiquement, c'était vraiment un Multiple Masters, puisqu'il y avait, merci, il y avait en l'occurrence 8 Masters, les caractères historiques qu'on a vus au départ. Donc ça, c'est les glyphes 7. Il y a un peu plus de signes que ça, mais vous pouvez voir. Le glyphe 7 du sérif qui est un petit peu plus étoffé. Et dernière chose, j'ai réalisé un truc, c'est que si on prend l'axe temporel sur lequel s'inscrit ce projet, donc de Janson à Georgia, donc vous voyez, on a toute cette ligne de temps, et pile au milieu de cette timeline, on aurait là à peu près 1730. C'est quoi la typographie qui est produite en 1730, pile au milieu de époque de 5 siècles, cette durée de 5 siècles? C'est le Caslon. Vous devez connaître William Caslon, un caractère assez célèbre. Voilà le Caslon, à quoi il ressemble. Et voilà le caractère que j'ai obtenu par moyenne entre tous ces trucs. C'est étonnamment proche. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a un espèce d'esprit supérieur qui, qui a programmé l'évolution des formes typographiques à l'avance, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez surprenant. Voilà. Ce n'est pas le seul caractère que j'ai dessiné avec les musées de Montbéliard. J'en avais dessiné un autre. Je crois que ça bouge, ça. Ouais. Un caractère pour une exposition de minéralogie qui s'appelait Splendeur Minérale. Alors c'était juste dessiner le lettrage sur l'affiche. Donc il n'y avait que quelques lettres, que en majuscules. Mais j'ai tellement aimé dessiner ce lettrage fait juste avec des triangles. Je voulais faire une typo qui a des lettres qui brillent. C'est con, hein. Des lettres qui s'inspirent de la géométrie des minéraux. Parce que l'exposition m'avait fait découvrir, bah, c'est prodigieux, la complexité et la richesse formelle qu'on trouve dans le monde minéral. Et en essayant de transposer ça sur des formes typographiques, j'étais arrivé à cette forme de fût qui sont deux triangles tête-bêche. Et le fût de base que vous voyez sur le I, par exemple, ou le L. Et donc, ça fait une espèce de truc un peu brillant. Et donc, vu que je m'étais pris au jeu, j'ai dessiné tout l'alphabet, et puis après je me suis dit, bah tiens, jusqu'où on peut aller dans le maigre et dans le gras, et là pour le coup faire de l'interpolation linéaire plein pot. Et après je me suis posé un autre problème, et là je me suis détesté, est-ce que ça marche en italique? Et si ça marche en italique, en fait le principe de Minéral, c'était que la version
maigre, l'extra light, et la version grasse, le black, ont exactement occupent exactement le même espace. Donc la taille des cases est identique. Et là, je m'étais dit, bah, tiens, j'ai dessiné l'italique, mais j'ai gardé les mêmes cases. Comme ça, italique ou romain, maigre ou gras, c'est toujours calé dans le même espace. C'était un cauchemar. Mais c'était une super contrainte de dessin, par contre. Et ça, ça a été la première fonte que j'ai développée en fonte variable. Alors ça, c'est une technologie... on parlait avec les collègues tout à l'heure. Je fais encore une petite parenthèse technique. Vous avez peut-être eu sur InDesign ou Adobe des warnings. Là, en 2023, maintenant, le support des polices PostScript type 1 va cesser d'être... ils vont cesser de supporter ce format. Pour info, le format police de fonte numérique PostScript type 1, il a été créé en 83. Donc c'est un 40 ans d'utilisation. Et là, le format est obsolète, donc ils arrêtent de le soutenir. Donc les fontes qui sont de ce format-là, on ne pourra plus les utiliser. Je vous rassure, c'est très peu probable que parmi les étudiantes et les étudiants, vous ayez des fontes PostScript type 1. Mais pour les vieux comme moi, je peux vous garantir que la moitié de mes typos sur mon ordi, c'est des polices type 1 que je traîne depuis 20-25 ans, quand j'étais étudiant. Et donc celles-ci, elles vont plus marcher. Mais ça montre quand même que pendant 40 ans, en typo, on a utilisé les mêmes formats de fichiers, ce qui est quand même assez honorable. Et la dernière évolution majeure qu'il y a eu, il y en a eu une début 2000, c'est l'OpenType, c'est le format de fichier que vous avez aujourd'hui. Et 20 ans plus tard, l'OpenType a été mis à jour. Ce n'est pas un nouveau format, c'est simplement une update du format OpenType pour faire des fontes variables. Maintenant, on peut faire bouger les fontes. On peut les faire évoluer comme ça. Et l'interpolation, qui était quelque chose, une opération tout à fait ordinaire et commune pour un type designer, parce que moi, dans mes logiciels de dessin de caractère, on interpole tout le temps. Les fontes, elles sont éminemment variables pendant leur conception, mais en général, quand on les publiait, on exportait des instances, c'est-à-dire des fontes statiques générées à partir de ce processus tout à fait dynamique à l'origine. Ce que permettent les fontes variables, c'est de permettre à l'utilisateur, finalement, de tirer pleinement parti de ce potentiel dynamique de la typographie numérique, puisque encore une fois, il ne s'agit que de vecteurs, donc c'est très facile d'animer tout ça. Et j'ai eu de la chance, parce que quand j'ai dessiné Minéral, c'était pendant l'été 2018, et au mois de septembre, le format OpenType a été mis à jour, les fontes variables sont arrivées, et 6 mois plus tard, je pouvais publier la fonte en fonte variable, avec donc ce tout nouveau... format. Donc des fontes qui bougent, en gros. Je crois, parce qu'en fait, ça fait déjà 1h15 que je parle, je vais terminer sur cet exemple-là, puisque je vous disais donc que ce caractère dessiné pour Montbéliard il y a une dizaine d'années, c'est un caractère tout à fait lié à la collection de ce musée qui n'était utilisée que sur les éditions du musée et sa signalétique surtout, qui est un chantier qui est toujours en cours. Mais je l'ai utilisé à une seule fois, en dehors de Montbéliard, pour un catalogue qu'on a fait avec Aurélie, justement, Voltz, à Saint-Étienne, pour l'artiste Guyane Panchal. Et je suis très content de cette collaboration. Et vu que je parlais ici à Saint-Étienne, c'est pas un projet que je montre très souvent. Peut-être parmi vous, certains ont vu l'exposition. C'était en 2019. Et ça a été vraiment un travail en commun avec l'artiste, Guyane Panchal, et assez rapidement, j'ai vu que une partie de son œuvre, qui toujours repose sur des gestes très fins et très subtils, sur des objets... souvent récupéré, trouvé, et puis un peu, un peu transformé, il y avait quelque chose qui faisait écho à ce
projet, cette espèce de fonte produite par un processus discret. Discret au sens mathématique, c'est-à-dire une espèce de géométrie un peu mystérieuse. Et donc ça, on en a parlé avec Guyane, je lui ai raconté l'histoire de ce caractère, ça lui a vachement plu, et on a décidé de l'utiliser. Et puis ça m'intéressait aussi parce que ça venait boucler l'histoire de ce caractère qui avait démarré à Montbéliard et qui se poursuivait à Saint-Étienne toujours avec Aurélie. Et donc le livre commence par déjà beaucoup de pages blanches, puis des vues comme ça en très faible opacité de zoom sur ses œuvres, beaucoup de blanc. L'ouvrage est dans, comment, elle a une reliure apparente, un dos nu, comme ça. On voit vraiment sa fabrication, ses cahiers, et la colle et tout. Et il est glissé dans une pochette en papier. Et là, voilà, on a les pages intérieures. Et il s'agissait d'un ouvrage en trois parties, puisque c'était vraiment une grande exposition rétrospective, la plus grande à ce jour, de cet artiste, Guyane Panchal, mais le catalogue reprenait des vues de trois expositions de cet artiste au Centre d'art contemporain de Cajar en 2014, au Château de Rochechouart en 2017 et au Musée d'art moderne contemporain de Saint-Étienne en 2019. Trois expositions où ces œuvres, parfois les mêmes œuvres étaient présentées, mais de manière relativement différente et surtout dans des espaces qui n'avaient pas du tout la même nature, la même qualité. Et ça a fait l'objet d'un échange très intéressant avec Guyane, de trouver dans l'espace du livre comment refléter les qualités d'espace et de lumière propres à chacun de ces espaces. Donc ça s'est fait par le jeu de la couleur, de papier teinté en impression, et de qualité de papier, de passer de non couché à du couché, enfin d'avoir des relations comme ça à la lumière, à la brillance, différentes. Donc voilà, un super dialogue, enfin des livres comme on aime en faire, c'est-à-dire avec voilà, quand il y a un bon client, un bon sujet et puis des bons auteurs, c'est quand même la belle vie. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de textes. On parlait des folios et puis de tout le paratexte cet après-midi avec des étudiantes. Là, par exemple, il n'y a pas de numéro de page. À la place des folios, c'est les titres des œuvres. Et voilà quelques vues de ce livre. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. J'avais encore plein de trucs, mais sinon je vais vous tenir toute la soirée, donc je pense que vous avez mieux à faire ce soir. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. On m'a dit que vous posiez toujours plein de questions, donc soyez à la hauteur de votre réputation. Merci beaucoup, Thomas. Vraiment, c'était super. Bon, évidemment, le travail de Thomas, vous pouvez le retrouver sur son site qui est très très riche. Donc ah oui, mais c'était mon projet du confinement. Et énormément de projets, ouais. Enfin, vraiment, avec des choses assez étonnantes. Merci. Une typo pour Bugatti, par exemple. Ah oui, ça, c'était une grosse surprise, ouais. Ouais. Ouais, il y a une question là. Bonsoir. Petite question par rapport à la recherche que vous avez faite par rapport à la typo de Luxeuil. Lorsque vous avez parlé du fait de pouvoir la commercialiser ou du moins en parler avec des clients, est-ce que ça ne vous a pas posé question de pouvoir la retravailler pour qu'elle devienne peut-être plus lisible aujourd'hui, qu'il y a un entre-deux entre la typo de Luxeuil et une typo un peu plus peut-être contemporaine? Ah bah exactement, c'était ce dont je rêvais. J'avoue, c'était comme ça que j'ai voulu le vendre à Luxeuil, en tout cas. Évidemment, je n'ai pas lancé ce projet pour vendre quoi que ce soit, mais puisqu'il y avait l'envie à Luxeuil, qui s'appelle d'ailleurs, qui ne s'appelait pas comme ça au début, mais qui s'appelle Luxeuil-les-Bains, il se rêvait en ville thermale, ça n'a pas trop marché, on est quand même en Haute-Saône, hein, et aujourd'hui, il mise vraiment sur le patrimoine et sur la valorisation de cette histoire, parce que c'est une histoire qui n'est pas anodine. J'espérais que voilà, les élus, l'équipe municipale soit plus
voilà, intéressés par ça, en tout cas saisissent le potentiel. Bon, ça s'est pas fait, ça se fera peut-être un jour, mais exactement, je me disais que ça pourrait être intéressant d'imaginer une version moderne, et si, voilà, évidemment c'est pas des villes qui ont les moyens de se payer un caractère sur mesure, mais là ce serait le sujet idéal de faire une fonte moderne qui est qui tire une partie de ses traits de ce modèle historique pour la communication de la ville ou les éditions du musée ou j'en sais rien, mais évidemment on n'est pas dans ces économies, donc malheureusement ça peut pas aller jusque là. Après je vais probablement le finir quand même, ce caractère, et le publier sous licence libre pour le partager avec des chercheurs qui peuvent avoir besoin, enfin c'est voilà pour les recherches sur la, comment dire, oui, l'histoire mérovingienne. Je pense qu'il y a de gros besoins dans cette communauté en matière de typographie. C'est le moment de poser quelques questions, donc je vous encourage à en poser. Vous avez vu que le travail typographique, c'est un travail, on parle toujours beaucoup de finesse, de rigueur dans nos pratiques graphiques. Donc j'espère que vous avez bien vu ce que c'était cette rigueur et dans les dessins que Thomas nous a montrés. Moi, je vous invite à poser des questions sur peut-être sur vous aussi, sur votre après, sur comment on fait la NRT, comment. Enfin voilà, je. Il y a une question. J'avais une question. Comment ça se vend une typographie? Parce qu'il y avait pas mal d'étapes ou de, je sais pas, le studio dont Michel parlait à Lyon, mais. Ah oui, 205. Alors oui, bah c'est une très bonne question parce qu'il y a, rien que dans ce que je vous ai montré là ce soir, y a l'exemple de la typo invendable, l'écriture de Luxeuil. Il y a des projets qui peuvent, là par exemple dans ce qu'on a vu ce soir, il y a des projets qui peuvent naître d'une commande spécifique, c'est-à-dire comment le musée d'Orsay a besoin d'une nouvelle typographie ou d'un ensemble de typographies pour sa communication. Bon là, entre la demande et la réalité, il y avait un peu de chemin. Mais récemment, j'ai fait, par exemple, toute l'identité typographique et le logo de la Samaritaine, par exemple, à Paris. Et c'était vachement intéressant parce que c'est une autre histoire. Là, on est dans le registre du 19e siècle et d'autres types de lettrage sur toutes les enseignes historiques, etc. Et là, il y a clairement une demande parce qu'ils ont besoin d'une typographie sur mesure qui signe toutes leurs publications, donc leurs éditions, leurs logos, etc. etc. Donc ça peut être un contrat de licence, d'exclusivité sur mesure. Et sinon, il y a le retail, c'est-à-dire la publication de fonte, qui vont être disponibles sur le site d'une fonderie typographique comme 205. Et là, n'importe qui, mais en général plutôt des agences de communication, de publicité, de graphisme, vont acheter les licences d'utilisation des caractères. Donc, pour pouvoir, c'est comme un logiciel. Dans les pensez à ça. Les logiciels, il existe des logiciels open source et des logiciels payants. Une fonte, c'est pareil. Vous pouvez utiliser des logiciels open source ou payer une licence d'utilisation pour utiliser Adobe ou je ne sais pas quoi. C'est pareil en typographie. On peut acheter la licence d'utilisation d'un caractère, donc les prix sont variables, ça dépend des éditeurs, ça dépend de la complexité de la fonte, si c'est une grosse famille ou pas, etc. Prenez le Minéral, par exemple. Minéral, je crois qu'il y a 8... je crois qu'il doit y avoir 12 fontes dans la famille, et la fonte doit être à un peu moins de 300 euros, la licence d'utilisation. 280, je ne me rappelle plus trop. Mais, et donc, voilà, minuscule, il y a une dizaine de fontes dans la famille. Et ça, c'est des fontes que j'ai dessinées il y a quelques années. Ça m'a pris plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et une fois qu'elles sont publiées, les gens les achètent.
curieusement. Et moi, je suis payé en royalty. Donc ça, c'est négocié avec la fonderie. Et la fonderie, là, en l'occurrence, c'est comme un label de musique. Comme si j'avais fait un morceau. Et après, bah, je suis rémunéré sur le succès ou non de ce morceau, proportionnellement à sa diffusion. Donc là, c'est pareil pour les fonds. Alors maintenant, il commence à exister des modèles d'abonnement. Il y a des fonderies comme Monotype, qui a un énorme catalogue. On peut s'abonner. Adobe, c'est pareil. Quand vous avez votre compte Adobe, et ben vous avez accès aux fonds Adobe, etc. Donc il y a aussi d'autres modèles économiques. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. Mais en tout cas, dans mon cas, il y a vraiment les projets de recherche, les commandes directes et les caractères qui sont ensuite publiés. Mais la plupart du temps, ça se mélange. C'est-à-dire que je peux faire un projet de recherche qui, des années plus tard, se concrétise par une fonte publiée. Ça peut être un projet de commande, comme pour Orsay, que je me réapproprie par la suite et que je publie à titre personnel. Il y a d'autres projets que j'aurais pu vous montrer, comme le garage. Par exemple, le garage, c'était mon projet de diplôme quand j'étais étudiant en 2001, quand j'ai passé le diplôme aux Beaux-Arts de Besançon. C'est un caractère qui s'inspirait des enseignes de garagistes espagnols, un caractère très géométrique, tout ça, que je croisais avec des références sur les plutôt fonctionnalistes, constructivistes, Bauhaus et tout ça. Ce caractère, je l'ai fait aux Beaux-Arts, mais sur des vieux logiciels complètement mal foutus, et je l'ai développé pendant quasiment 20 ans. Mais comme un truc, comme si c'était mon outil. Donc je le partageais avec quelques copains, à qui je filais des fontes, des versions bêta, mais j'ai jamais arrêté de l'étendre, essayer de nouvelles proportions. C'était devenu un projet fou. À la fin, il m'a fallu plus d'un an pour le reprendre de A à Z, c'est le cas de le dire, mais à la fin, c'est je me rappelle plus du nombre exact, mais je crois qu'il y a 490 fontes. Il y a 150 000 signes, enfin, c'est un truc de malade. Il y a 13 fonds de variables. Enfin, c'est devenu un truc gigantesque. Mais parce que le projet était comme ça. C'est-à-dire que c'était une espèce d'épuisement d'un principe de grille, d'un principe de construction. Et c'était super intéressant à faire. Mais j'aurais jamais parié que ce caractère que j'ai traîné pendant 20 ans allait avoir du succès. Parce que quand je l'ai publié, c'était presque m'en débarrasser. C'est-à-dire, j'avais bossé 20 ans avec, j'ai passé des milliers d'heures dessus. Et je l'ai publié, et depuis, il se vend de ouf. C'est très bizarre. C'est comme dans la musique, j'imagine. Il y a des fois des trucs qui rencontrent le succès ou pas. Alors, quand je dis, c'est modeste, hein, je ne vais pas me payer une Bugatti, justement, avec, mais ça se vend bien. Et le caractère circule, je commence à le voir utilisé un peu partout. Donc ça, c'est plaisant, parce qu'à un moment, il y a une deuxième vie comme ça du caractère, et c'est plaisant aussi de toucher des royalties quand on a passé autant de temps à développer quelque chose sans rien gagner dessus. Et puis la conclusion de cette histoire, c'est quand même assez marrant, la référence de départ, comme je vous disais, c'était le monde automobile, et puis plutôt ce que mon prof, encore une fois, Claude Laurent François, à Besançon, appelait les lettres de garagiste. Il appelle lettres de garagiste les lettres que dessine un garagiste quand il décide de faire son enseigne tout seul. Il ne sait pas dessiner de lettres, donc il va faire des lettres géométriques, un peu bizarres, un peu biscornues. C'était ça ma référence. Et donc, il y avait cet univers automobile. Et ben, après la publication du garage, Bugatti a voulu avoir une version custom du garage. Donc je me suis retrouvé à faire une fonte custom, une famille pour Bugatti, et donc son logo, le nouveau logo de la marque, est en garage. Et c'est quand même drôle. Alors ils veulent pas que ce soit que ça s'appelle garage, ils veulent que ça s'appelle Bugatti. Donc c'est un garage modifié, et on a bossé avec
les DA d'une grosse boîte de branding à Cologne qui avait fait cette sélection, parce que c'est pas Bugatti direct, hein, c'est tout ça, ça se fait avec des agences. Et voilà, il y a des choses parfois inattendues. Un caractère, on le fait dans un cadre, il se retrouve utilisé dans un autre. Et c'est ça aussi, moi, qui me fascine dans la typo, c'est que c'est des objets qui ont une durée de vie qui est complètement différente. Là, je vous ai montré ce projet autour de l'évolution des espèces. Mais vous vous rendez compte, le Janson, Nicolas Janson, 1470, il grave ses caractères et on est à Venise au milieu du 15e siècle. Et le caractère, on l'utilise encore aujourd'hui. Garamond, on l'utilise, on n'a jamais cessé d'utiliser du Garamond. Il y a peu d'objets graphiques comme ça qui ont une espèce de permanence pareille. Donc je trouve ça assez fascinant, la vie des caractères et comment... alors bien sûr, tous les caractères n'ont pas le succès du Garamond, hein, mais il y a une espèce de forme d'ubiquité et de disponibilité à la typographie, parce que c'est comme si on fabriquait un outil, on fabriquait une espèce d'artefact, et que celui-ci allait se colorer différemment en fonction des contextes. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on dessine un caractère, je crois... J'espère que ce n'est pas trop confus, mais je crois que c'est une création qui n'est pas finie en soi. Bien sûr, c'est chiant, c'est long, c'est précis, ça peut sembler fastidieux. En fait, pas tant que ça. C'est pas la mer à boire non plus, hein, faut pas croire. Mais je crois qu'un caractère, quand il est terminé, il n'est pas encore actif. C'est-à-dire il vit vraiment quand il porte un texte dont on n'est pas responsable, et quand quelqu'un l'utilise, et ce quelqu'un, ce n'est pas forcément soi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de temporalité particulière qui fait qu'on crée des formes, mais que ces formes, elles se réalisent vraiment dans un contexte qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça fait aussi que les caractères traversent les siècles, puisqu'à un moment, ben, ils se mettent à incarner un esprit, voilà, je pense qu'ils se chargent, en fait, de tout un tas de phénomènes et ça, il faut reconnaître, c'est assez fascinant. Et l'idée même d'aujourd'hui être capable, parce que ça c'est possible grâce au numérique, c'était pas du tout possible il y a ne serait-ce que 50 ans, le fait qu'on soit capable aujourd'hui, quand on fait du graphisme, de se créer ses propres caractères, c'est fascinant. Moi quand j'ai appris le graphisme et quand j'ai pris conscience que je pouvais faire des fontes moi-même, être limité par le choix qu'il y avait sur mon ordi, c'était une révélation. Parce que ça, d'un seul coup, ça ouvre plein de perspectives. Donc je trouve que là, les outils sont de plus en plus faciles d'accès. Je vois ça d'un très bon œil, moi, personnellement. Donc j'ai fait une réponse beaucoup trop large à ta question. Mais en tout cas, voilà, la question de l'économie, elle est assez variée. Il y a différents modèles. Et sur le fait de créer des fontes, ouais, je pense qu'il faut absolument continuer à en faire le plus possible. Bonsoir, merci. Merci. Alors, j'avais une petite question à propos du post-diplôme de Nancy. Ouais. J'ai une personne de mon entourage qui est en design graphique et en master à Valence, à l'ESA de Valence, ouais, et qui aimerait beaucoup tenter le post-diplôme. Et je voulais savoir si vous aviez quelques conseils. Ok. Alors, c'est bien expliqué, je crois, sur le site. On peut candidater avec un master. Donc, effectivement, si elle est en cinquième année, si la personne est en cinquième année, c'est très bien. Le dossier d'inscription est extrêmement léger. En fait, c'est un dossier de référence, CV, lettre de motivation, un formulaire en ligne. Hein. En fait, l'inscription est gratuite. Mais c'est surtout ne pas... comment dire, bah déjà, il faut candidater. Parce qu'ensuite, c'est vraiment à l'entretien que les choses se passent. On a des candidatures de vraiment partout, mais on est très attentif à l'équilibre de la promotion. Entre des gens qui peuvent être très expérimentés, d'autres moins. Enfin, il n'y a pas de profil type. Et tout se passe vraiment à l'entretien. On a fréquemment des étudiants qui viennent de Valence. On connaît bien l'équipe. Donc, effectivement, il y a quand même quelques écoles comme ça qu'on a déjà bien identifiées.
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que... Enfin, évidemment, je vous invite à, si vous êtes intéressé par la typographie, à considérer la NRT comme, comme une voie possible. Il y a, et puis, voilà, pendant longtemps, on a souffert du fait que les étudiants se censuraient, s'auto-censuraient. C'est-à-dire, on avait, à des moments, au tout début, on n'avait pas beaucoup de candidats, parce que les étudiants pensaient que c'était inaccessible, c'était trop élitiste. Mais aujourd'hui, on a, à force de communiquer et tout ça, on essaye d'avoir moins cette... Enfin, de moins freiner ces candidatures-là. Vraiment, il faut tenter le coup. Hein. Et regarder les projets de recherche des étudiants. Tout est publié sur le site. C'est très, très varié. Et c'est même pas obligé de faire du dessin de caractère. On a des étudiants qui dessinent pas de caractère à la NRT. Qui sont sur des formes plus expérimentales. Ou plus éditoriale. Camille Trimardo, qui était en jury l'année dernière, elle a fait un caractère, mais qui n'est pas un caractère alphabétique, c'est un caractère de notation de la gymnastique. Mais il y a aussi des projets encore plus loin du dessin de caractère ou de l'idée qu'on se fait du dessin de caractère. Pas oublier que c'est de la recherche. Donc on est là pour explorer des trucs, des choses où personne n'est allé. C'est ça la recherche. Aller dans un lieu où inconnu. Donc, faut pas se limiter. Ouais. Et tout est, en général, on communique à partir du mois de mars sur l'appel à candidature, et ensuite tout est en ligne. Et c'est surtout sur Twitter qu'on communique, enfin qu'on communiquait. Maintenant, on commence à considérer des alternatives. Peut-être quitter Twitter. Mais pour le moment, c'est plutôt sur Twitter que ça se passe et la newsletter. Il y avait une question au fond, je crois. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. J'avais une question sur votre projet sur les caractères évolutionnistes et fixistes, enfin le projet de recherche. Ça m'a fait penser en fait au caractère d'Alice Savoie qui s'appelle le Faune. Qui a été créé du coup avec le CNAP. Oui, tout à fait. Et en fait, je me demandais s'il y avait justement tout un courant de recherche sur ces histoires de familles typographiques. Si c'était quelque chose qui était en train d'être réfléchi en ce moment. Alors oui, c'est vrai que c'était en 2018, le Faune. Enfin, j'étais dans le jury du CNAP pour le projet d'Alice. Alors ça avait donné lieu à l'Infini 2 ans avant de Sandrine Nugue. Et effectivement, là, la particularité de cette commande publique du CNAP, qui a donné lieu au Faune, c'est que c'était une commande du CNAP, mais associée à l'Imprimerie nationale. Et le brief, en gros, c'était de dessiner, enfin, de créer un nouveau caractère typographique basé sur les collections de l'Imprimerie nationale. Et Alice Savoie, qui est enseignante à la NRT, qui est la plus grande historienne de la typographie en France aujourd'hui, hein, elle est vraiment extrêmement brillante, elle aurait pu facilement se baser sur l'histoire des caractères typographiques de l'Imprimerie nationale, mais au lieu de ça, elle a plutôt trouvé l'inspiration dans les éditions de l'Imprimerie nationale, qui existe depuis 500 ans. Hein, et c'est dans l'histoire naturelle de Buffon qu'elle a puisé l'inspiration. Donc d'aller volontairement chercher une inspiration typographique dans des formes qui ne sont pas typographiques. Et là, elle s'est inspirée de différentes familles animales pour créer le Faune. Mais lui aussi, ce caractère aussi, était un caractère pensé pour l'interpolation, même s'il a été publié sous forme de fonte statique à l'époque, c'était quelque chose qui était dynamique dans son projet. Et c'est un caractère remarquable. Et là encore, on peut saluer vraiment déjà le talent d'Alice, mais aussi la commande du CNAP, puisque c'est des caractères qui étaient des commandes publiques, et qui ont été diffusés sous licence libre et qu'on a vu énormément dans plein de documents. Enfin, on le voit partout, ce caractère. On ne va pas se mentir, on le voit partout aussi parce qu'il est gratuit. Ça touche un public beaucoup plus large,
du fait de cette diffusion-là et de l'écho que lui a donné le CNAP. Donc je trouve ça génial que des caractères de cette qualité trouvent leur public, parce qu'à un moment, on a une institution qui a le courage de financer des créations pareilles. Et là, effectivement, il y a un écho qu'on peut trouver entre nos deux projets. Mais en fait, je n'ai pas tant d'autres exemples que ça sur des caractères qui croiseraient paléontologie, enfin histoire naturelle et typo. Sur la question des classifications, on s'étripe fréquemment sur les terminologies, la classification des caractères, etc. Moi, je suis d'avis d'abandonner toute idée de classification. Pour moi, les classifications qu'on utilise actuellement, elles sont complètement obsolètes et elles ne correspondent plus à rien. Donc, voilà. Mais ça, c'est toujours un débat de la classification ultime. C'est un peu une utopie, quoi. Mais voilà. Après, on arrête. Hein. Dernière question, alors. Ouais. Par tous les cas, on était contents. Enfin, j'imagine les étudiants qui sont venus à Chaumont. On était contents de voir vraiment l'explication de la Chaumont script, la typographie de Chantal Jacquet. Je vois des étudiants qui l'ont vu. Ça leur a... Ouais. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander... Par rapport à votre projet sur les typographies évolutionnistes et fixistes, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer en quoi consistait le principe des typographies fixistes de votre projet, en fait ? Alors là, l'idée, en fait, c'était plutôt épouser, là, cette fois, pas les idées de la marque, mais celles de Cuvier, c'était de se dire, à partir du principe que les espèces, elles ne changent pas, elles n'évoluent pas. Donc si c'est le cas... si les espèces n'évoluent pas, cette typographie fixiste, elle était plutôt un assemblage de formes de lettres dépareillées, mais qui sont prises telles quelles dans différentes familles. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un O de Futura, enfin un A de Futura avec un G de Gill et un H d'Helvetica. Mais en considérant que ni l'Helvetica, ni le Futura, ni le Gill n'évoluent. Voilà, sans extrapolation, sans morphing, sans rien du tout, sont prises telles quelles. Mais la particularité, c'est de faire cohabiter dans le même caractère un H d'Helvetica, un O un A de Futura, etc. Des choses qui ne sont pas censées cohabiter. C'était un autre type de mélange. Voilà, c'est ça. C'est pas mélanger sur la palette, c'est poser les uns à côté des autres. Et quel est le lien du coup avec le fixisme de Cuvier ? C'était l'idée de pas mélanger, de pas mélanger, de pas métisser le caractère. Tu vois le truc ? En gros, que dans la fonte, je respecte les structures de chaque famille de départ. Je ne les modifie pas. Je les croise pas. Je les fais cohabiter, mais je ne les croise pas. Pardon ? Voilà. Voilà, comme dans l'anatomie comparée de Cuvier. Ouais. Tu vois ? C'est peut-être un peu fumeux, hein, mais... Et ça n'a aucune valeur scientifique surtout. Hein. C'était pour se marrer. Hein. Enfin, pas que pour se marrer, mais c'était évidemment pour faire avoir un résultat inattendu. Mais évidemment, ça a pas de prétention scientifique ou paléontologique précise. C'est plus des transpositions de logique de construction d'un domaine à un autre. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Tout le monde est calé sur Cuvier, là ? C'est bon ? On va se laisser là-dessus. Allez, merci.
Toi, tu étais passé par avec le Louvre, tu avais aussi des...